Bienvenue sur TV Radio de Vie, il est 20h pratiquement 40, 38 exactement, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton amour. Merci pour la vérité que tu nous confies, que tu nous révèles chaque jour, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ton amour envers tous tes enfants. Merci pour mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Nous voulons te dire merci pour toutes choses, pour les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Nous voulons te confier, Seigneur, chacun. Nous voulons te confier, Seigneur, nos pensées et nous voulons être instruits par ton esprit. Que ton règne vienne parmi nous au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, c'est une joie de vous avoir avec nous ce soir et merci pour votre présence. Le Seigneur travaille, le Seigneur agit et nous sommes de plus en plus encouragés. Donc, on est assez nombreux sur ce plateau de TV et Radio de Vie. Donc voilà, donc c'est une joie de savoir pour nous, hein, de savoir que vous êtes de plus en plus présents et vous priez de plus en plus pour nous. Et voilà, d'emblée, nous tenons à vous annoncer, hein, cette bonne nouvelle. Ce dimanche, nous serons à Lyon de nouveau. Donc je crois que c'est ce dimanche. Hein. Donc voilà, parfait, Herman. Donc on sera à Lyon ce dimanche et je sais qu'il y a beaucoup des bishops là-bas, ne veulent certainement pas nous voir, hein, mais bon, peu importe, parce que cette ville ne leur appartient absolument pas. Donc on y sera tant que le Seigneur nous le demandera. Voilà, donc ce dimanche, à partir de 10h, 10h30, on sera avec des frères et sœurs de Lyon pour partager l'évangile. Voilà, donc à partir de 10h30, et on sera là. Gloire à Dieu et merci à tous ceux qui prient pour nous, pour toutes ces missions que le Seigneur nous confie ici et là. Bonsoir Hervé. Bonsoir, apôtre. Comment vas-tu? Par la grâce du Seigneur, ça va. Donc bientôt le retour au Cameroun. Oui, par la grâce de Dieu. Comment ça se passe ton séjour ici? Ah, très bien, Dieu a permis, nous a restauré, nous a ressourcé, nous a beaucoup Ah, encouragé amen. et corrigé aussi. Ah ouais, alléluia. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs aussi, hein, du Cameroun qui sont très très touchés par l'évangile et ils sont nombreux notamment à soutenir, à prier pour nous et donc on aimerait bien quand même qu'ils nous appellent un peu ces frères et sœurs du Cameroun qui surtout ceux qui sont du côté de l'Allemagne parce que je sais que vous êtes très nombreux là-bas et il y a une belle œuvre qui se fait au Cameroun hein, donc il serait vraiment intéressant que important que vous l'appreniez, que vous le sachiez et pourquoi pas aussi pour prier pour Hervé et tous les frères et sœurs qui sont là-bas avec lui et également soutenir aussi parce qu'il y a une œuvre qui vient de démarrer avec les orphelins. Oui, par la grâce du Seigneur, on a reçu l'accord de principe de la part des autorités D'accord. pour l'orphelinat. J'espère que le son est correct là-bas du côté technique. Parfait. Donc, Voilà. Donc l'accord, tu l'as eu aujourd'hui. On t'a appelé aujourd'hui pour te oui, on a dire appelé que. aujourd'hui pour dire qu'on a reçu l'accord de principe. D'accord. Donc maintenant, on est en train de chercher la villa, en fait. Donc on a plusieurs propositions, mais maintenant, le frère Flavia va aller sur place. Et bon, maintenant, c'est lui qui a reçu la vision, en fait, par rapport à l'orphelinat, quoi. D'accord. Donc quand je vais rentrer, on va finaliser les choses. Gloire à Dieu. On par la grâce du Seigneur, peut-être d'ici un mois, on pourra déjà lancer l'orphelinat ou 2 mois, selon que Donc Dieu le veut. Flavien, il vit en France, il est avec nous, bien sûr, et c'est un homme qui craint Dieu et qui, bien sûr, est originaire Cameroun du aussi. Cameroun. Donc là, il est rentré au pays parce qu'il a eu cette vision de la part du Amen. Seigneur, et puis on l'encourage, hein, bien sûr, Amen. parce qu'il n'y en a qu'une, hein, de vision. Hein, nous voulons voir le Seigneur Amen. glorifié et les âmes libérées. Amen. Voilà, donc ben, voilà, frères et sœurs, vous qui êtes du côté, vous qui êtes originaire du Cameroun et qui aimez le Seigneur, voilà l'occasion qui vous est donnée aussi pour soutenir ce travail, cette œuvre qui se fait avec ces orphelins, ces veuves qui vont être nourries gratuitement, et aussi pour soutenir aussi la mission, parce que Hervé ainsi que les frères et sœurs qui sont là-bas au Cameroun font beaucoup de missions dans tout le Cameroun. Par la grâce du Seigneur, oui. Donc à Bafoussam aussi, est-ce que le travail continue là-bas ou Oui, c'est comment? au niveau de l'ouest du Cameroun, De l'ouest? Bafoussam, Tchang, Bouda, bon, pour ceux qui connaissent Foumban, D'accord. donc en fait un peu partout, quoi, par la grâce du Seigneur. Et là, Dieu aussi, du moins, a ouvert des portes par rapport à certains. Dieu aussi a ouvert des portes par rapport
à les villages, en fait. D'accord. Donc, il y a un frère qui était pasteur à Winna Chapel, pour ceux qui connaissent, une grande dénomination nigériane, qui a reçu le message, qui s'est converti, qui s'est repenti publiquement, il a fermé l'assemblée. Il était pasteur. Il était pasteur dans, à Winna Chapel. Donc, il a été éclairé. Il a été éclairé par l'évangile de vérité, quoi. Il a tout abandonné et puis il a rentré dans sa, la zone natale. Et vraiment, Dieu se glorifie. Il y a beaucoup de guérisons de fous et des paralytiques, tout ça. Ces sorciers sont délivrés aussi. Amen. Et le chef du village, justement, veut organiser une croisade. Le chef du village. Oui, c'est-à-dire qu'il va convoquer tout le monde. Tellement, il a vu la puissance de Dieu. Wow. Il veut convoquer en fait une croisade en fait pour que les frères puissent aller prêcher l'évangile. Alléluia. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de préparer quand on va rentrer. Quand tu vas rentrer. Oui, quand on va rentrer. Voilà. Donc les frères et sœurs du Cameroun, hein, vous pouvez nous appeler. Et puis bon, d'autres peuples aussi, hein, d'autres frères et sœurs issus de différentes nations. Donc vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Et voilà, donc vous pouvez nous appeler, pourquoi pas, pour aussi poser des questions à Hervé. Hein, peut-être que vous avez des familles là-bas au niveau de Douala, Yaoundé, et vous aimeriez bien que des frères aussi aillent prier pour eux. Hein. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur opère là-bas, en tout par cas. Par la grâce du Seigneur. Et des résurrections des morts aussi, et tout oui, ça. Y en a et... une, par la grâce, il y a une résurrection des morts lors du veillée mortuaire la semaine dernière. Donc on avait invité les frères pour. Pendant prêcher. Que toi, tu étais ici. Oui, pendant que j'étais ici. Donc on avait invité les frères pour prêcher, quoi. Lors d'une veillée mortuaire. Lors d'une veillée mortuaire. Le cadavre était là. Le cadavre était là, mais ce n'est pas le cadavre qui était ressuscité, c'est le fils du cadavre. D'accord. Parce que quel est venu en fait, vous savez, en Afrique, on expose souvent les corps. C'est ça. Et quel est venu en fait, il a vu le corps de son père, il a fait une attaque cardiaque. Il est mort. Il est mort. D'accord. Et à tout moment, en fait, il y avait deux deuils, quoi. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à pleurer. Et par la grâce du Seigneur, il y avait un pasteur qui était là, qui allait appeler les frères qui n'étaient pas loin. Et par la grâce un pasteur un pasteur qui est touché. D'accord. Qui est touché. Ce pasteur, c'est moi qui ai invité. Pour la veillée mortuaire. D'accord. Il vient d'arriver en fait avec dans le message en fait. Ok, ok. Et par la grâce, les frères ont prié, le Seigneur a ressuscité. L'enfant. Devant près de 500, bon, il y avait 500 personnes en montant quoi. Gloire à Dieu. Et par la grâce, l'évangile a été prêché. Alléluia. Et la gloire à Jésus. Magnifique. Magnifique. Le Seigneur travaille en tout cas. Amen. Eh bien, on attend toujours les coups de fil hein, des frères et sœurs du Cameroun. Je ne sais pas si l'émission passe en direct ou pas. On a quelqu'un en ligne, enfin. Enfin, quand même, parce qu'il faut sauver quand même, mes amis. La mise, donc gloire à Dieu, parce qu'on aime beaucoup le Cameroun aussi, parce que c'est une grande nation et un peuple qui aime beaucoup aussi le Seigneur, en tout cas. Donc, allô, bonsoir. Oui. Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où? D'accord. Béni. Hop là, voilà, un petit souci technique, ça arrive, on est humain, voilà, c'est ça. Donc, et merci pour votre compréhension à chaque fois. Donc, merci, bonne continuation, ma sœur. Voilà, donc on attend encore deux ou trois coups de fil hein, des frères et sœurs du Cameroun. Et voilà, donc le Cameroun
commence à être touché. Le Seigneur travaille, ça c'est beau. Voilà, je pense que ça t'encourage hein, quand même, Hervé, tout ça. Dieu est bon. Ah ouais. Dieu est bon, et fait toute la gloire au Seigneur. Mm-hmm. Et on attend vraiment que Dieu dispose des choses afin que tu puisses venir au Cameroun pour nous enflammer. On va venir avec joie, alléluia. En fait, le temps de Dieu, quoi. Ah, non, c'est, de toute façon, l'année prochaine, on va planifier tout ça. Amen. Avec joie, on va... Faire Douala et Yaoundé, et puis on va voir comment Dieu va conduire les choses, en tout cas. Mais que la route entre Douala et Yaoundé, on l'a fait en voiture, hein, une fois. C'était ça, non? Est-ce que tu étais avec nous? Non, je n'étais pas avec vous, mais... C'était c'est assez... C'est particulier. Oh là là, je t'assure, il y avait des véhicules qui roulaient, mais à une vitesse... C'était très particulier, mais c'était une belle mission, en tout cas. Et on a vécu de belles choses, une telle présence de Dieu... Ah, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas, cette mission. Et je pense que Madeleine était aussi des nôtres. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, justement, par rapport à cette mission qui a été menée, organisée là-bas? Je ne sais pas si tout le monde entend du côté technique, parce qu'on n'a pas de retour ici. Oui, parfait. Oui, je m'entends. Je peux dire que, en fait, en 2011, effectivement, on a vu ce que le Seigneur a fait, c'était des prémices. Mmh. Et quand j'y suis retournée en juin, et là, dernièrement, j'ai vu comment le Seigneur avait... J'ai vu des grâces incroyables. J'ai vu les frères et sœurs travailler avec une onction apostolique que je connaissais. J'envoyais des SMS, je faisais des vidéos. Vraiment, le Seigneur utilise énormément les jeunes là-bas parce qu'ils sont beaucoup combattus. Mmh. Le degré de persécution qu'on a ici par rapport à leur persécution, je peux dire que... Bon, sauf les tiennes, hein, bien sûr. Ouais. Mais leur persécution, c'est quand même assez compliqué. Mm-hmm. Des menaces de mort. On leur tire dessus carrément. On les fait emprisonner avec des fausses accusations. Mais le Seigneur vraiment les utilise puissamment. Sincèrement, c'est une belle œuvre. Parce que quand en 2011, on est arrivé, le Seigneur vraiment enflammé. Il y a eu, comme pour toutes les œuvres, hein, le Seigneur a fait son élection. Certains sont partis, mais ceux qui sont restés se sont accrochés. Et de 2011 à 2015, on voit vraiment des hommes de Dieu presque faits. Peut-être pas la stature parfaite parce qu'on y arrive, mais il y a des vrais ministères. Quoi. J'ai vu les 5 ministères, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Et là-bas, j'ai même vu le lion de la tribu de Juda. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, Chora, quand on a été, le Seigneur a mis son pied au sol, où la terre tremblait là. Mm-hmm. C'est ce genre de manifestation que j'ai revu encore dernièrement. J'ai été il y a 15 jours. Donc l'œuvre se fait, l'œuvre continue. Elle est magnifique. Elle se fait, mais en plus, elle est belle. Elle s'aimait, tout ça. Vraiment. Gloire à Dieu. Vraiment, dans l'humilité, les frères travaillent et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sois bénis. On a quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler? Congo Kinshasa, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Ça fait quelques semaines que tu es ici. Oui. Jusqu'à... En tout cas, jusqu'au mois de décembre. Fin décembre. Oui. Comment ça se passe alors ton séjour? Ça va, tranquille, un peu secoué, mais ça va. D'accord. C'est ça bon quand tu as les turbulences. Oui, ça annonce des bonnes choses. Et parfois, le Seigneur permet certaines choses. C'est à nous d'être attentifs. Le Seigneur parle une première fois, une deuxième fois. Mmh. Donc... C'est nous qui ne prenons pas garde. Et comment ça se passe alors au niveau du Congo, les assemblées, les frères et sœurs? Oui, je dirais en gros ça va. On a connu quelques zones de turbulence, mais en même temps, on a tiré de leçons. C'est que Dieu a un objectif avec la RDC et il va l'atteindre avec ou sans nous. Mmh. Et... Parce que ça tarde quand même un peu là. Parce que je vais quand même un peu essayer de... Pourquoi cette lenteur? Pourquoi ce...
Je pense que aussi, je ne veux pas le dire parce que je suis congolais de là, mais c'est un pays qui a beaucoup de promesses de Dieu. Et rien que le fait que ça se trouve au cœur de l'Afrique, c'est très significatif. Je peux donner un exemple simple. Et le cœur peut être malade aussi. Oui. Et prenez dans les années 70 ou 75, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que lorsque le président de l'époque, le président Mobutu, avait commencé avec les animations populaires et qu'il avait lancé son mouvement du recours à l'authenticité, ça avait presque pris avec tous les pays d'alentour. Mmh. Et même lorsque le mouvement de réveil est venu, parce qu'à l'époque en Afrique, avec le catholicisme, lorsque le mouvement de réveil est venu, avec des prédicateurs comme Osborne, je pense aussi William Marion Branham à l'époque sont venus, en fait ces mouvements sont partis de là pour prendre d'autres pays en Afrique. Et je pense que ce pays a un rôle moteur dans l'évangile qu'il ne comprend pas, parce qu'au fil des ans, on a pris la gloire que l'on devait donner à Dieu, on l'a donnée aux hommes. Mmh. Et le pays est entré dans une malédiction parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mmh. Et avec le temps, Dieu maintenant prend le temps de restaurer. Parce que là, on voit quand même des pasteurs qui acceptent que des gens se mettent à genoux devant eux et des femmes prophétesses qui font des jeûnes de 100 jours alors que c'est des véritables sirènes. Exactement. Possédées jusqu'aux os. C'est quand même, moi, je honnêtement, c'est un pays... Là, honnêtement, là, ça me prend d'un seul coup parce que je me dis, c'est dommage parce que au Cameroun, ça prend, au Gabon, ça prend, ici et là, ça prend. Et le message est arrivé au Congo RDC. Et là, depuis, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est... Ouais, en même temps, tu dis, bon, je te laisse parler. Je comprends. Ouais. Moi, je pense, je reste encouragé par le Seigneur et j'essaie dans la prière de comprendre la trajectoire du travail qu'il fait. Plusieurs fois, le Seigneur a visité notre pays et malheureusement le feu n'a pas tenu longtemps parce qu'il y avait aussi un problème d'homme, en même temps un problème de culture, un problème de personnalité. Mm-hmm. Il y a des choses qui ont été dites sur notre pays. Mm-hmm. Vous remarquerez, comme tu le sais, tu as eu aussi à l'observer. Par exemple, les prédicateurs ne font jamais 10 ans dans la sainte doctrine, non, dans la crainte de Dieu. Ça commence bien une année, 2 ans, au bout de 6 ans, ça commence à changer. Ça commence à régner son propre message et on l'a vu, que ça soit au pays, que ça soit ici. Mm-hmm. Donc c'est un problème que Dieu est en train de régler dans les coulisses parce que c'est que les gens ne savent pas. Et même c'est que ces pasteurs connus de nom ne savent pas. C'est que Dieu se prépare son armée dans les coulisses, une armée qu'ils ne voient pas. Mm-hmm. Et dans des endroits où ils ne s'imaginent pas. Des gens qu'on ne peut même pas calculer. Mm-hmm. Et moi j'avais fait cette prière et j'ai demandé au Seigneur, par ta grâce, montre-moi les gens que tu te prépares pour cette église qui va manifester ta gloire dans ce pays avant que tu ne viennes. Ces gens n'ont rien à voir avec ce que l'on peut penser. Mm-hmm. Ce sont parfois des gamins de 12 ans, mm-hmm, des mamans de 50 ans qui ne savent même pas parler français pour certains, mais qui sont en train d'être travaillés par Dieu à travers l'expérience de leur vie. Et leur vie témoigne de la sainteté de Christ et on sent que quelque chose peut venir. Donc on est un peu, je dirais, prophétiquement un peu comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur demande, est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre? Lui-même n'y croit pas. Il dit prophétise et un souffle vient. C'est-à-dire, dans l'histoire de peuple, et même dans l'histoire d'Israël, Israël est devenu une nation au moment où eux-mêmes ne pensaient pas qu'ils le deviendraient. Et je pense et je reste optimiste face au travail qu'il fait. Je sais que les épreuves qu'a connues, notamment l'œuvre à Kinshasa, c'était aussi pour éprouver nos cœurs. Parce que je pense, et ce que je veux dire peut-être est contraire à tout ce que l'on voit, la gloire que l'on va vivre, si nos cœurs ne sont pas préparés, on va y laisser notre peau. Alors à quoi sert de vivre la gloire de Dieu si on rate la gloire finale, c'est-à-dire voir le Fils de l'homme dans la gloire éternelle, ça ne sert à rien. Donc je pense que Dieu nous prépare. Mais dans l'entretemps aussi, il y a une belle œuvre qui se fait à la prison de Makala. Mm-hmm. Je profite de cela pour y parler dans cette œuvre dans laquelle je m'investis personnellement parce que j'ai vu dans les cœurs de ces prisonniers une fois, je le dis, que je n'ai pas vu à l'extérieur. Peut-être qu'avec ces prisonniers, que le réveil va venir. Hein. Mais exactement, tu le dis. Ce que je ressens. Exactement, c'est pourquoi je me suis plus focalisé dans la prison parce que il s'est fait que beaucoup d'hommes politiques
qui sont arrêtés pour une raison, pour une autre, sont en train de rencontrer le message là-bas en prison. Des gens qui vous appellent, je ne vais pas citer des noms, des conseillers spéciaux, des gens qui connaissent la politique de ce pays comme pas possible, mais qui sont touchés par l'évangile et qui vous demandent de passer. Et ils réclament des Bibles aussi. Hein. Ils réclament notamment de Bibles. Il y a notamment notre frère Kibong qui est là, malheureusement qui ne peut pas nous suivre en direct, mais je pense que je lui apporterai une partie de cette émission pour qu'il soit encouragé, tous les frères. Je donne ces témoignages aussi pour nous encourager. Nous avons organisé, je le partageais avec un frère tout à l'heure, des enseignements des disciples, parce que là, les réunions publiques que nous organisons dans les cadres d'une assemblée, c'est passe merveilleusement bien. Les gens ont tellement soif de la parole que quand quelqu'un vient prêcher une doctrine qui n'est pas biblique, n'importe qui se lève de là où il est, il prend ses pasteurs, va l'asseoir, il prend la Bible, il l'ouvre et recadre. C'est-à-dire, même moi-même, quand je vais enseigner là-bas, je suis leur frère, mais je prie pour que le Seigneur me donne la parole qu'il faut, parce que aussitôt il lève la main, il dit non, la Bible dit ça. Mm-hmm. Explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Vous ne trouvez même pas ça. Il faut des gens comme ça parce qu'il y a tellement de fausses doctrines dans ce pays. Et là, les gens ne blaguent pas. Et nous avons fait un enseignement sur les disciples. Nous avons pris quelques personnes à part pour entrer dans la profondeur des enseignements et pour qu'eux aussi soient des relais là-bas, pour que ça ne soit pas nécessairement des gens qui viennent à l'extérieur. Comme ça, l'évangile va plus vite dans leurs cellules, dans leurs familles qui viennent les visiter. C'est pourquoi je dis que c'est un mouvement qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas maîtriser, parce que nous ne savons pas qui est en contact avec ces messages. Mais il y a quelque chose qui se fait dans le silence. Dans les coulisses. Exactement. Et après un moment, il y a un des prisonniers qui suivait ses enseignements. Il devait être libéré. Et le jour de sa libération, il ne voulait pas sortir. Le directeur de la prison a dû appeler le frère pour lui demander « Mais qu'est-ce que vous enseignez aux gens là-bas ?» Il demande « Pourquoi ?» Parce qu'il y a ce frère qui doit être libéré. Il refuse de sortir parce qu'il dit qu'il suit des enseignements sur la saine doctrine. C'est quoi cette saine doctrine? Parce que ce qu'un prisonnier a de plus cher, c'est la liberté. Mais lui ne veut pas sortir parce qu'il suit des enseignements. Parce qu'il est libre en Christ. Et c'est quoi ces enseignements? Et le frère lui a dit non, nous prêchons Christ et Christ est seul. Et au moment où même je vous parle, Kibong est responsable de tout ce qu'il y a comme assemblée. Et on lui a donné un titre un peu compliqué. On lui dit, tu es chargé de la saine doctrine. Donc désormais, par les directeurs de la prison, il doit vérifier si tous les enseignements qui se donnent en prison sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. On va quand même le Seigneur. Hein. C'est quand même encourageant. Et je vous dis, des députés, il y a même un député qui suit de plus en plus des enseignements et qui vient, qui partage la parole de Dieu. Je vous dis, c'est un travail de coulisses, mais un travail que Dieu lui-même fait. Moi, je crois que ça va venir de la prison. On lui laisse la gloire. Ça va venir de la prison parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont passés à côté. Pour la plupart, néanmoins, ils ont préféré s'accrocher au titre, au ministère, n'est-ce pas? Et je pense que le Seigneur, effectivement, quand j'entends ça, ça m'encourage personnellement, passera par ces prisonniers que je tiens personnellement à saluer, à encourager. Et donc, on va faire tout à l'heure une pause pour qu'ils aient cette petite vidéo afin d'être encouragés. Donc, je voulais vraiment personnellement encourager tous les prisonniers de Makala, donc cette prison, la prison centrale hein, du Congo RDC, et pour le travail qu'ils font, pour leur n'est-ce pas leur amour pour la vérité, tout ça, et malgré leurs conditions hein, précaires, hein, donc voilà, mais que le Seigneur soit béni, pardon, et soyez tous fortifiés. En tout cas, nous allons beaucoup vous soutenir, vous encourager. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oui, je vous appelle depuis Madrid en Espagne. D'accord. Oui, je voudrais d'abord vraiment vous féliciter vraiment et je voudrais vraiment que le Seigneur vraiment reverse toutes sortes de bénédictions sur vous, Frère Chora, avec toute votre équipe. Merci. Et puis, donc, j'ai vu Hervé, je suis son compatriote, quoi. Je suis Camerounais comme Hervé. Et puis, moi, je voulais l'encourager pour tout ce que le Seigneur fait à travers eux là-bas au Cameroun. Mm-hmm. Et je voulais aussi, parce que j'ai ma petite sœur qui est dans une assemblée là-bas, hein, chez
Oh. Donc, Un voleur. et puis c'est-à-dire tout le temps, elle est dépouillée, quoi. C'est-à-dire que tout le temps, tout ce qu'elle me rapporte chaque fois, c'est que on leur demande de donner des sacrifices et tout ça. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est, si c'est possible, que Hervé nous donne un contact à Yaoundé pour que je communique à ma petite sœur qu'elle puisse aller de temps en temps aux réunions là-bas. Il n'y a pas de problème. En fait, on n'est pas là, c'est vrai qu'il faut la promotion des églises, mais Hervé pourrait éventuellement partager avec elle. Mais ne raccrochez pas, on va vous donner ça hors antenne. Donc, on fait une pause de 3 minutes et on revient sur TV et Radio de Vie pour un partage biblique, pour un enseignement. À tantôt, comme disent les Belges.